Donc Eric Pérez, interprété par mon ami Vincent, et notre binôme, l'ancien monde des bons et des méchants, mais qui tenait quand même, qui avait un sens de l'honneur et qui tenait Paris, quoi. Ah, moi j'ai rencontré Patrick par sa femme, j'étais ami avec sa femme. C'est comme une sœur pour moi, sa femme. Moi, elle rencontre un mec, je me souviens, un flic. Déjà, ça ne me plaisait pas. Je dis rien et je continue à la fréquenter. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai des activités qui sont, on va dire, je fais le mal, je fais pas le bien. Petit à petit, on a noué des liens. J'ai éliminé un peu la concurrence parfois en lui balançant des affaires de mecs de cité, de ces gangs-là qui me cassaient les couilles. Il a joué le jeu, on a joué un jeu, et puis finalement, on s'est retrouvés très très liés et très engrainés dans un rapport gros voyou flic. Et lui, plus il montait en grade, plus j'ai essayé de le... Et plus ils m'utilisaient, on s'utilisait mutuellement. Voilà, donc voilà, c'est une amitié un peu perverse, un peu... Personne n'est dupe, quoi. Voilà. Jusqu'à ce que ça touche nos enfants, ses enfants à lui, plutôt son fils. Parce que moi, jusqu'au bout, j'essaie de voilà. Et Patrick, c'est vrai que c'est... C'est quelqu'un qui n'a pas forcément su, comme moi, garder sa famille. C'est la différence entre lui et moi, je dirais. Et Patrick, c'est un grand flic. Patrick, c'est un flic à l'ancienne, où on peut se parler sans donner son nom, son machin, sans être inscrit dans un registre. Je peux aller voir Eric Pérez, il va me balancer un ou deux trucs. Enfin, si je me mets à la place de Patrick, je vais pas lui. Voilà, on va se faire ça à la. Si je peux avoir 100 kilos de coke et puis t'en laisser 10, ça me pose pas de problème. Voilà, c'est ça. C'est l'ancienne façon de faire. Voilà. Maintenant, il faut remplir les papiers pour aller faire la perquis, etc., etc., ouais. Et puis mettre 100 kilos et 2 grammes. Ouais. Voilà. Nous, on a suivi déjà tous ensemble, on a fait un stage avec le GIGN, où s'entraîne le GIGN, avec des formateurs, des gens pour les rentrées d'immeubles, de maniements d'armes, de tout ce qui est vraiment spécifique et technique à ça. Et puis moi, j'ai pas mal côtoyé la personne, je ne peux pas donner son nom, mais qui était inspirée de... Voilà, Patrick est inspiré de cette personne. Donc, je suis allé fouiller pour savoir d'où il venait, ce qu'il voulait, comment il avait commencé à être flic, comment il a commencé à la BRI, est-ce que sa femme est au courant, est-ce que ses enfants sont au courant, comment il arrive à protéger, comment il chope les indicateurs, comment... Donc, c'était vraiment une mode à l'ancienne. C'est-à-dire que dans la série, quand on dit que... où Rabat, le personnage de Rabat dit et Patrick, lui, il connaît tous les numéros de par cœur, tu trouveras même pas dans son téléphone le numéro d'un indique, etc. Et le mec, c'était ça. Parce que les indiques risquent leur vie aussi. Donc il peut te donner des affaires. Donc c'est juste passionnant. Donc j'ai adoré ça. Moi, pour jouer le rôle, j'avais besoin d'avoir accès d'une manière ou d'une autre à cette communauté de gitans de banlieue parisienne qui sont issus de la communauté yiddish. Alors évidemment, ils n'ont pas forcément inspiré l'écriture du personnage, hein, ça n'a quand même rien à voir, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Mais grâce au casting, finalement, Jérémy a casté David Vrilink, qui joue mon fils aîné, qui lui est issu de cette communauté, qui n'est pas acteur, et qui a très vite, on a pris contact, et Jérémy, il a cette qualité, je trouve, de laisser cette liberté, cette responsabilité aux acteurs de leur personnage, mais en leur donnant, moi, il m'a mis en contact avec David, et puis voilà, démerde-toi, quoi. Et David et son frère m'ont ouvert les portes de leur intimité, de leur famille, de leur femme, de leurs enfants, etc. Et ce que j'ai fait très vite, c'est que je suis venu avec les textes, et puis j'ai improvisé dans son salon,
Voilà, avec, je me souviens d'une, de la première scène que j'ai tournée, c'était la scène du barbecue qui arrive en épisode 4 ou 5, qui, quand on est en pleine guerre des gangs, etc. On a commencé par cette scène-là, et donc c'était compliqué, parce qu'il fallait qu'on ait cette complicité. David n'est pas acteur, il y avait Nina Meurice, qui joue ma fille, qui était en tournage, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'allais chez David, et on a travaillé cette scène du barbecue, on l'a préparée. Avec lui, avec son frère, sa femme, ses gosses, ils donnaient leur avis sur la façon dont j'improvisais ou dont je... Et on réécrivait les textes ensemble pour qui étaient au départ dans un français assez neutre pour que ce soit dans la langue l'argot gitan, etc. Et le fait d'avoir pu préparer, c'est ça qui m'a permis de jouer le rôle. J'avais dit à Jérémy, si je ne peux pas préparer, il faut que tu prennes un autre acteur qui connaît le gitan, enfin qui, moi je connais pas quoi, donc j'avais besoin de cette préparation, de cette immersion totale quoi. Enfin, voilà. Okay. Avec Nina, c'était notre premier jour de tournage, donc il fallait qu'on ait cette complicité familiale et en même temps qu'on puisse incarner les enjeux, etc. Donc on l'avait bien préparé, on était allé chez David et je me souviens qu'on a vraiment joué cette scène dans son salon avec ses enfants, sa femme, son frère, etc. Ils donnaient leur avis sur la qualité de notre interprétation. Ils s'y retrouvaient, on notait ce qu'on avait fait, qui était bien, et on enlevait ce qui ne fonctionnait pas, quoi. Et ensuite, on proposait à Jérémy une scène retravaillée, on va dire, avec l'argot, les dialogues réécrits, etc.